Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les mécréants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur.
s'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Chantant les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Père, en tes mains je remets mon amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours.
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils répondirent : Jésus, le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe que le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus.
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela,
il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez nous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : À mort ! À mort ! Crucifie-le ! Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf
dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ces paroles qui concluent le récit de la Passion selon saint Jean sont au cœur de la liturgie de ce jour. L'Église nous invite, au cours de notre célébration, à concentrer nos regards sur la croix du Christ par laquelle nous sommes sauvés. Après l'homélie et la grande prière universelle, le prêtre invitera les frères et sœurs ici présents à vénérer la croix qu'il dévoilera progressivement. Vous qui participez à la célébration grâce aux moyens de communication, vous pourrez vous joindre à cette démarche, par exemple en vous agenouillant en signe d'adoration. Si la liturgie du Vendredi Saint nous invite à tourner nos regards et nos cœurs vers la croix, c'est parce qu'elle est le sommet indépassable de l'amour de Dieu pour nous. Jésus enseignait à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il accomplit ce commandement sur la croix. Cependant, reconnaissons qu'il est difficile de voir dans les souffrances inouïes du crucifié l'expression de son amour pour nous. Devant l'énormité de ses souffrances, nous avons plutôt tendance à culpabiliser, car nous savons que c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Nous angoissons peut-être même en songeant à ce que nous devrions payer en retour pour l'avoir ainsi condamné. Or, nourrir de telles pensées manifeste que nous nous méprenons sur les intentions de notre Seigneur. Certes, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. Mais écoutons la suite de la prophétie d'Isaïe. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus ne nous reproche aucunement d'avoir eu à souffrir à cause de nos péchés. Au contraire, il en est profondément heureux, car c'est en prenant sur lui notre condamnation qu'il nous obtient la paix. C'est en se laissant blesser injustement qu'il guérit nos cœurs. Pour nous en convaincre définitivement, regardons l'attitude de Jésus dans le récit de la Passion. Pour souligner que Jésus vit sa Passion comme une offrande d'amour, saint Jean insiste sur sa souveraine liberté. C'est lui qui dirige les événements selon les desseins du Père et non ceux qui semblent disposer de lui. Judas n'a même pas besoin de livrer Jésus. Celui-ci se présente lui-même. Qui cherchez-vous ? Les soldats et les gardes, surpris devant la sérénité et le self-contrôle de Jésus, reculent et tombent à terre, se prosternant sans le vouloir devant la majesté de celui qu'ils viennent arrêter. Comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, Jésus protège les siens et les met à l'abri. Si c'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Saint Jean commente : Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite :
je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Par contre, pour lui-même, Jésus refuse toute protection. À Simon-Pierre qui dégaine l'épée, il ordonne « Remets ton épée au fourreau. La coupe que j'ai donnée, que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Quant à Anne, Caïphe et Pilate, ils sont tous impressionnés par la dignité et la maîtrise de soi de Jésus devant lequel ils n'ont d'autre recours que la violence. Mais ni les insultes, ni les menaces, ni les tortures ne viennent à bout de la paix de Jésus qui se révèle infiniment plus libre que ses juges et que ses bourreaux. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut, dit-il à Pilate. Ces hommes ne sont que les instruments d'un dessein qui les dépasse infiniment. Par leur cruauté et leur injustice, ils sont sans le savoir les artisans de leur propre salut. En fait, c'était nos souffrances qu'ils portaient, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, où est-il le Dieu qui nous accuse de nos fautes? Où est-il le Dieu qui se venge des souffrances que nous lui avons infligées? Frères et sœurs, que la contemplation du vrai visage de Dieu, celui qui nous révèle sur la croix, purifie nos consciences de ses idoles, chasse toute peur pour que nous puissions accueillir l'amour qui nous est offert. Comme Marie, les quelques femmes et le disciple bien-aimé, c'est au pied de la croix qu'il nous faut demeurer pour apprendre de Dieu lui-même qui nous sommes à ses yeux, le prix que nous avons pour lui. Que le flot de tendresse jaillissant du cœur du Christ chasse toute culpabilité et toute angoisse devant sa souffrance et sa mort. Elles sont nôtres, les blessures de Jésus. Comment nous les reprocherait-il, puisqu'il nous les offre pour que nous y trouvions la guérison? Frères et sœurs, dans quelques instants, celui que nous avons transpercé sera exposé à nos regards. Puissions-nous avancer avec pleine assurance vers lui, le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir au temps voulu la grâce de son secours. Et par notre geste d'adoration, remercions-le de tout notre cœur d'avoir donné sa vie par amour pour nous. Amen.
fils de Dieu. Une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal. Qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, Pierre-Marie, et son auxiliaire Alain, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le monde entier, le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église,
augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandant qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations, et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve. Qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour tous les pays touchés par l'épidémie du coronavirus. Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion ceux qui se trouvent en séjour dans une situation de désarroi. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent. Que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin de toi, et que ta grâce accorde à tous les défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
t'ai-je fait sortir du pays d'Égypte, t'ai-je fait entrer en terre promise, pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. T'ai-je guidé 40 ans dans le désert et nourri de la manne pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. Je t'ai planté ma plus belle vigne, et tu n'as eu pour moi que ton amertume et du vinaigre pour ma soif. J'ai pour toi frappé l'Égypte, j'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée. Toi, tu m'as livré au grand prêtre et les soldats m'ont flagellé. J'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.